Ah, la musique de Minecraft. Élever des petits lapins. L'exercice 80, il méritait bien un petit corrigé, hein? Parce que il était quand même chaud chaud, hein. J'ai eu plusieurs questions par messagerie et j'ai même pas été capable de répondre. Alors, pour commencer, donc, genre situe, on a un éleveur qui a des lapins qui se reproduisent extrêmement vite, mais en plus, qui achète des lapins. Une question qui aurait pu être posée et qui n'a pas été, c'est de justifier la formule. Donc, je vais d'abord le faire parce que ça vous avait perturbé en DS une fois précédente, autrefois, quand on se fréquentait. Tous les lapins, d'il y a 2 mois, engendrent un couple de lapins, ça donne 2 LN. Les lapins du mois précédent, c'est LN plus 2, sachant que le mois actuel, c'est LN plus 1, sachant que le mois actuel, c'est LN plus 2. Et le 1, c'est le couple de lapins que le fermier achète en plus. Alors, on va rapidement voir que ça va être un petit peu compliqué pour lui de vendre tous ses lapins. Donc, je vais pas corriger absolument toutes les questions, mais quand même, il faut revenir sur un certain nombre de points. Justifier la formule, c'est relativement simple, il suffit de décrire les expressions de chacune des matrices, effectuer le produit, et pif paf pouf, on tombe sur la ligne du bas de la matrice UN qui est égale à LN plus 1, LN plus 2, pardon. Voilà. Et voilà, c'est good. Alors, le gros morceau, c'est la 2. On va faire ça donc par récurrence, comme suggéré. Alors, je sais pas si je vais faire des coupes sur la vidéo. Je pense que plutôt je vais l'accélérer. Vous allez vous en rendre compte si c'est accéléré de toute façon. Parce que sinon, j'ai peur que ça prenne trop de temps. L'initialisation est ultra simple, il suffit de faire les calculs, hein, remplacer n par 0, et on constate qu'on tombe sur la matrice A puissance 0 qui est la matrice I2. Voilà, donc là vous pouvez voir les calculs en train de se faire. Je suis en train de commenter après coup, j'ai enregistré d'abord la vidéo et je fais le son en décalé parce que je pense que sinon j'aurais mis beaucoup de temps à monter, j'aurais beaucoup hésité, j'aurais sûrement fait plein d'erreurs de calcul, déjà j'en ai fait 2-3 en faisant les calculs. Tiens, bah on vient juste d'en voir une. Donc c'est un petit peu comme si j'étais un commentateur sportif qui observe sa performance. Superbe, 3 sur 3, ça fait 1, et donc on a I2. Bravo moi. Évidemment, si je parle pas, c'est très ennuyeux. On passe à l'hérédité, j'ai déjà fait le tableau. Et j'ai trouvé le moyen de pas bien le caler si vous regardez bien. Parce que le donné là, ça. Enfin bref. Comment vrai? Donc je sais quoi? Je sais l'expression de A. Et je sais aussi. Que je ne sais rien. Alors, pour un rang n donné, j'ai juste à réécrire la formule. Enfin, quand je dis juste à réécrire la formule, vu la tranche de la formule, en fait, c'est assez fastidieux. Mais c'est pas grave, je m'y colle. Et je vous fais profiter de ça en direct. Donc profitez de ce moment un petit peu relaxant de me voir galérer. Je pense que j'ai fait 2 fautes en recopiant. Ouais. Alors, voilà une première faute. Et puis voilà la deuxième faute. Bah c'est bien sûr ça dépasse. Hein. Donc ça on voit encore le travail de professionnel. Mais bien sûr, voilà, il suffit de faire comme je faisais en classe. Je vous sentiez comme en classe, avec les mêmes erreurs, les mêmes errements. Et je vais remplir le je veux prouver. Alors là, j'ai un petit peu fait mon flemmard puisque j'ai tout simplement fait copier-coller et ensuite j'ai remplacé les n par des n plus 1. Attention, ça va aller très vite. Alors en plus, j'ai raté mon copier-coller. Non, je l'ai réussi. Et le voilà, tadam, super bien. J'espère que vous n'êtes pas trompé. C'est évidemment un moment où il faut être quand même assez précis, pas se planter, pas oublier un n, pas oublier un signe, pas transformer un plus en multiplier parce que sinon, c'est foutu. En théorie, c'est pas censé être difficile comme question. Mais ça prend de la place. Alors, a n plus 1 égale a fois an. Ça, j'aurais pu le mettre dans le je sais que en réalité. Je remplace a puissance n par la formule du je veux prouver. Et ensuite, je vais distribuer. On a le droit de faire la distribution. A fois a, ça fait a carré. Et i2 fois a, ça fait a. Pour le reste, on fait que recopier.
Mais A carré, alors il est calculé, mais sinon il était aussi donné dans la piste de résolution, c'est 2, 1, 1, 3. Et c'est 2i2 plus A. Alors l'intérêt, c'est de supprimer A carré et de le remplacer par du i2 et du A. Parce que dans la formule finale, on n'a pas de A carré, on n'a que du i2 et du A. Donc je fais ce que j'ai dit que je ferais, c'est-à-dire je remplace. Voilà, j'ai remplacé et j'ai rien fait d'autre, hein, j'ai touché à rien. Et je vais redistribuer une nouvelle fois. Donc j'ai un premier terme en i2, et ensuite j'ai un terme en a, et je vais refactoriser directement, et comme tout était sur le même dénominateur, je mets directement sur 3. Toujours en faisant attention à faire aucune erreur. Si vous regardez bien, c'est volumineux, mais il y a relativement peu de choses qui se passent d'une étape à l'autre. Donc faut pas se laisser intimider et il faudra pas hésiter à passer au ralenti la vidéo si y a un détail qui vous échappe. Ensuite, je distribue le 2 en ce qui concerne la parenthèse de i2. Donc 2 fois 2n, ça fait 2 puissance n plus 1. Pour l'autre, il n'y a pas besoin d'explication. Je vais essayer de réduire l'autre de l'autre côté. Alors j'ai 2n plus 2n. Enfin, quand je dis 2n, c'est 2 puissance n plus 2 puissance n, donc ça fait 2 fois 2 puissance n. Et je pense que vous me voyez venir là. Et puis moins moins 1 puissance n plus 2 moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance n, le tout sur 3 fois a. J'ai juste échangé les deux. J'ai juste échangé les deux pour que ce soit dans l'ordre de la formule. 2 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance n plus 1. Et moins 1 puissance n, ça ne me va pas. Il faut que ce soit moins. Moins 1 fois moins 1 puissance n parce que je veux 1 puissance n plus 1. De la même façon, je vais faire 2 puissance n plus 1 ici. Plus 2 fois moins 1 fois moins 1 puissance n. Voilà, le tout sur 3 fois i2. Voilà, un coup je le trace le trait à la règle, un coup non. Je vous suggère de le faire à la règle, vous, hein. J'ai quasiment terminé. Je vais avoir la formule voulue. Alors là, j'ai Paint qui débloque et qui supporte pas que je fasse de la capture vidéo en même temps, tout simplement. Et donc là, je vous montre un peu les coulisses. D'habitude, je nettoie ces passages-là. Et puis là, pour pouvoir arriver à travailler sur une deuxième vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc un petit peu plus brut. Je suis navré. Il reste les sur 3 et le i2. Et on a fini la question, on va dire la plus technique, qui nécessite de ne pas faire d'erreur de calcul. C'est gagné, we did it. Je vais passer à la question 4, puisque l'autre on l'obtient à la calculatrice. Alors, la question 4 est le petit b. Prouver que Vn plus 1 égale A fois Vn. Donc en réalité, on a une suite au départ qui est arithmético-géométrique en matrice, la suite UN, et on va passer à une suite géométrique, alors au sens des matrices. Donc l'introduction d'une suite Vn, c'est un petit peu comme ce qu'on fait avec les suites numériques, vous l'avez déjà rencontré un grand nombre de fois pour des suites numériques, mais beaucoup moins pour les suites de matrices, mais le principe est le même. Donc on remplace Vn plus 1 par sa formule, Un plus 1 moins V, et on remplace Un plus 1 par AUn plus C, formule qui a été démontrée au petit 1. D'où l'intérêt de réutiliser les questions précédentes, hein. Et puis V, on sait que c'est AV plus C, pareil. C'est la question 3 que c'est écrit. Tout ça, le petit escargot, ça veut dire que tout ça vient de l'énoncé, hein. Je factorise par A, je tombe sur Un moins V, et ça, c'est Vn. Ah oui, puis je simplifie les C, ouais. Donc gros usage de l'énoncé là. Bon, alors après, la preuve de Vn égale A puissance n fois V0, ça je vais pas la faire, c'est une récurrence très simple. Je vais attaquer le 4C.
Donc j'exprime UN en fonction de EVN, il suffit juste de remplacer les formules. Techniquement, j'ai déjà fini en réalité. Hein. UN en fonction de N, c'est déjà bon. A fois V0, ça se calcule. V0, on les a, tout ça. Bon, en fait, c'est V1, donc voilà, je peux l'écrire. Là, c'est la réponse. Ce qui va être intéressant, c'est de retrouver l'expression de LN, celle qui est donnée dans les pistes de résolution. Parce que ça va nous permettre de répondre à la question 5. Bon, alors, sans indication supplémentaire, hein, cette réponse-là suffit. Donc maintenant, on peut passer au 5C, au 5 tout court. Donc, j'ai un petit peu donné. Oh là, j'ai le mal de mer. Voilà, alors attendez. Donc, j'ai remplacé LN par les valeurs. Voilà, donc c'est la ligne du haut hein, de VN, de UN. J'ai factorisé par 1 sixième. Ensuite, j'ai rassemblé les termes en 2 puissance n. Ça fait 5 fois 2 puissance n, plus 3 fois 2 puissance n, ça fait 8 fois 2 puissance n. Moins 1 puissance n, c'est le résultat de moins 5 fois 1 moins 1 puissance n plus 6 moins 1 puissance n et le moins 3 qui reste moins 3. Et c'est la formule qui est donnée. Youpi, on a la formule qui est donnée. Donc alors maintenant, comment déterminer le nombre de mois au bout duquel on a 1000 lapins? Alors, normalement, il faudrait. Je sais pas pourquoi j'ai écrit que c'est le numéro 5, parce qu'en fait c'est déjà le numéro 5 qui a démarré. Normalement, il faudrait que LN soit supérieur à 1000, il faudrait résoudre ça. Mais on va avoir un gros problème, c'est que moins 1 puissance n, il crée des espèces d'oscillations sur les valeurs qui permettent de ne pas répondre directement. Par contre, on sait que moins 1 puissance n est tout le temps supérieur à moins 1. Donc, la suite LN va être tout le temps supérieure à 1 sixième fois 8 fois 2 puissance n, moins 1 moins 3. Et moins 1 moins 3, et ça fait moins 4. Alors ça, on doit pouvoir donc le simplifier en 1 tiers de 4 fois 2 puissance n moins 2. C'est ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Voilà. Et cette suite-là, par contre, pour celle-là, on peut résoudre l'inéquation ln supérieur ou égal à 1000. On va appeler cette suite-là AN, comme il le suggère dans les pistes de résolution. Et la résolution va se faire avec l'usage du logarithme Népérien. Donc on isole 2 puissance n. Donc j'ai commencé par multiplier par 3 de chaque côté. Après, je vais ajouter 2 de chaque côté et diviser par 4 de chaque côté. C'est un plus 2. Enfin non, c'est ouais, c'est un 3002, là, un 0 qui est pas un 0, c'est plutôt une bouclette du 2. Ça fait donc 2 puissance n supérieur à 1501 sur 2. J'applique le ln de chaque côté, je peux, ça ne change pas l'ordre parce que le ln est une fonction strictement croissante. Je vais transformer ln 2 puissance n en n ln de 2. Ça c'est supérieur à ln de 1501 moins ln de 2. Ça c'est pour donner une formule un peu moins moche. Ensuite je divise par ln de 2 de chaque côté. Et là il faut faire hyper gaffe quand on divise par un ln de chaque côté. Parce que ça peut être un négatif. Et donc ça peut changer l'ordre. Donc on doit être vigilant, hyper vigilant à ce moment-là. Faites gaffe! Ok? ln de 2 c'est positif parce que 2 est plus grand que 1. Entre 0 et 1, le ln d'un machin est négatif. Ça vous jouera des tours, j'en suis sûr. Mais là, il n'y a pas de problème. Et donc, on doit avoir un ln supérieur à ln, un n supérieur à ln de 1501 sur ln de 2 moins 1. Alors après, on fait un petit calcul pour savoir combien ça fait à la calculatrice. Et alors là, je suis choqué. Même moi qui ai l'habitude des ln, je suis choqué. Même moi qui ai l'habitude des exponentielles, je suis choqué. En 10 mois seulement, on atteint les 10 lapins. 10 mois. Donc j'étais tellement choqué que je suis carrément allé sur Excel pour aller faire une petite simulation pour voir les termes de la suite AN, pour voir si je m'étais pas trompé. Et la réponse est non, je ne me suis pas trompé. Ça augmente extrêmement vite. Et donc je vous ai laissé dans le fichier image, hein, vous pourrez aller voir.
Et alors, le plus truc le plus dingue, c'est que quand on passe à 10 000 lapins, en réalité, ça revient à ajouter LN de 10 sur LN de 2, et vous réfléchirez à pourquoi. Et ça ajoute seulement 3,3 mois. C'est-à-dire que en un peu plus d'un an, on passe à 10 000 lapins. Et donc, il faut pas qu'il fasse ça, l'éleveur, vous comprenez? Parce que s'il fait ça, il va se retrouver avec bien trop de lapins, il pourra jamais les vendre. Jamais. C'est... Parce que 3 mois et 0,3 plus tard, il va se retrouver avec 100 000 lapins. C'est pas possible, vous comprenez? Il faut pas faire ça, ok? Faut pas faire se reproduire les lapins!